Personne ne monte. Silence, s'il vous plaît, tout le monde écoute. Groupe 1, groupe 1, vous prenez cet avion, allez-y. Ok, allez, let's go. La température extérieure est de 600 degrés. C'est bon, faut bouger les couilles. 600 degrés, on est dans la merde. 600 degrés Celsius. Attends, elle est en train de soulever l'avion là. Enfin, j'ai enfin réussi à monter. Bouffez mes couilles au virage. Et léchez mon fion dans la plage. Ah ouais. Ouais, bouffe-moi la queue. Baby girl, monte. Ouais, bouffe-moi la queue. Et me faire sucer. Elle est juste derrière. Dans l'autre avion, c'est derrière. Mademoiselle Smith, descendez de l'avion. Vous allez dans l'autre derrière, s'il vous plaît. Ah bon? Oui, derrière, là. Ouais, vas-y, faut suivre. C'est un mauvais avion, je crois. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il y a? Fermer la porte par souci de. Non, oh, oui. Allez, Bachir, par souci d'intimité. Qu'est-ce qu'il branle là, lui? Tu donnes le mauvais avion! Ah, vas-y, on s'en bat les couilles. T'es pas grave, t'es pas grave. T'es pas dans le mauvais avion, t'es dans le meilleur avion. T'es dans le meilleur avion, c'est dans le meilleur avion. Imaginez, on est les seuls à se cracher. Impossible, je suis là, les jeunes. Ouais, bah voilà, ça c'est carré, ça. On a notre héros. Et vas-y, y'a quoi comme film dans l'avion là? Attends, faut écouter les consignes. Mais on s'en bat les couilles des consignes. Et ça sert à quoi d'attacher ta ceinture, bâtard? Ah, c'est vrai ça. Bah ouais, depuis quand en attachant ta ceinture, t'as survécu à un accident d'avion, toi? Eh, pareil, pourquoi il y a une porte avec écrit sortie de secours, sa mère? Bah, pour les parachutes. Mais tu crois qu'il y a des parachutes ou quoi, toi? Waouh! Oula, 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 oula! Oh, comment il... Mais attends, hey, t'as déjà piloté? Mais pourquoi les gens décollé? Attends, mais... T'es le seul à avoir décollé. C'est Bachir, c'est Bachir. Bachir, lâche les commandes. Bachir. Wouah. Oh les boulous de Bachir, vous calmez, hein. Arrêtez. Hein. Ah et vous êtes des gamins, vous êtes des gamins. Calmez-vous, le pilote sait très bien ce qu'il fait, il a sa Bachir, fais un looping ou t'es viré de l'école sinon. Bachir, tu fais très attention. Je vous arrête, Bachir Mouloud. Non mais attendez, c'est pas Bachir. Et moi je saute, bande de bâtards, hein. Faites pas des blagues, hein. Ah ouais, si on saute, ça fait quoi? On dirait un jeu, t'as la oui. Eh ben, la porte en plastique. Oui, je vous écoute. Vous pouvez venir m'attacher, s'il vous plaît? Quoi? Non, il ne faut pas se détacher. Attachez-vous vous-même, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de mourir. D'accord, madame. Arigato. Écoutez les informations de sécurité. Ah, mais putain, j'ai pas le son, bande de bâtards. Ils ont l'écran. Merci de garder votre ceinture attachée. Accrochez-vous, accrochez-vous. Nous avons des turbulences. Mais ton pantalon à mine, il est trop stylé. Merci, Béchier. On est au pays du soleil levant. Les enfants, écoutez-moi bien. Venez par ici. Apparemment, il y a un deuxième agent qui a eu un petit problème. Quoi ? Récupérez vos valises, d'accord ? Ah, on est enfin arrivé. Bienvenue à Togo. S'il vous plaît, en silence. Une de perdue, en silence. Venez, venez devant moi quand vous avez récupéré vos valises. C'est qui toi ? C'est moi ? C'est Robert. Bah oui. Mais t'es un malade. Oh, mais c'est bien sympa. Mais t'es un malade de tes amis comme ça. Tu crois qu'on est au Japon? Bah, je sais pas, ouais! Je crois qu'on est au Japon, regarde les. Les drapeaux! Regarde les. Ouais, les drapeaux! Ça a l'air, hein! Allez, s'il vous plaît, deux par deux en rang, correctement! Ouais, ça va! C'était Bachir qui conduisait! Et on va avancer calmement, venez! Ouais, il a géré! Calmement! J'aurais voulu venir avec ma tenue de sport! Il manque des gens là! Ouais, monsieur, je vous kiffe trop, j'ai remis la tenue de sport! Non! Ok, ça va, on va faire des coups! Envoyez-moi votre soirée saké et hentai, s'il vous plaît. Allez, venez. Romuald, il veut jouer au docteur avec toi. Y'a que les sacrés branleurs qui sont invités. Monsieur, je suis vraiment, niveau 35. Monsieur, niveau branleur, je pense que c'est le meilleur. Je suis une branleuse aussi. Moi, je suis vraiment niveau. Allez, profitez de l'environnement. Ça dépend, faudrait que je teste vos poignets. Regardez comment c'est beau. Vous avez vu le niveau au tennis, normalement ça va. Regardez sur votre gauche, vous avez les statues sur votre gauche.
On visite un aéroport. Waouh, c'est les statues de Gundam, les robots. Stylé. Ouais, mais... c'est Gundam. Mais c'est pas Gundam. Construit ça. En 1983, wow. Les presque. Statues de Gundam étaient là pour faire plaisir aux nouveaux japonais. Et je bande. Et je bande. Pareil, j'ai bien fait de mettre une jupe, hein, je vous le dis. Arahita. Ça veut dire j'ai faim en japonais. Oh, y'a les bus. C'est vrai. Les bus japonais. C'est Arahita. Arahita. Oh, y'a des petits chiens dessus. Arahita. Ça, c'est des Shiba, ça. Vous gagnerez des points. C'est des Shiba Inu, ça. Putain, mais je sais pas parler japonais, moi. Et toi, Aksama. Reste avec moi, moi, je sais parler, t'inquiète. Je vais faire l'appel, d'accord. Vous arrêtez. Vous arrêtez. Genko Deska. Et arrêtez-vous, stop tout le monde. Je vais faire l'appel. Kefta Mouloud. Oui, toujours là. Fetus. Oui. Kevin. Bah non, c'est un problème, moi. Suzy. Oui. Bobby. Oui. Yellow. Oui. Kirby. Ouais. Jordan. Ouais. Brandon. Ouais. John. Ouais, ouais. Et Nova. Oui. Ensuite, Cobb. Amin. On y joue. Amin est où? Présent, présent. Ok. Hélène, Emily. Jean-Charles. Ah, il manque Jean-Charles. Ah, présent, présent, présent. Ah, mais okay. Bachir. Bachir, dis présent. Bachir, il est où? Ouais, oh, Bachir, présent, on va te baiser ta mère. Présent. Léona. Ah ouais, c'est interdit partout. Hamid. Romuald. Et Bobby. Tout le monde est là? Super, oui. Allez, venez. Ouais, pour l'instant, écoutez, personne ne monte dans les bus pour l'instant, d'accord? D'accord, ok. Personne. Vous avez des distributeurs d'eau et de boissons, enfin, de boissons et de friandises là-bas au bout. Les enfants, les enfants, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous voyez les bus, les deux derniers bus là-bas où il y a les chauffeurs, vous montez dedans s'il vous plaît. Pourquoi les deux derniers? Bah, je sais pas. Vas-y, je rentre. C'est toi qui conduis encore? Mais c'est pas. J'ai jamais conduit. C'est pas toi, je parle du surveillant. Ah, t'as été voir. Non, le surveillant il conduit. Vas-y, chauffeur, avance là. Hey, chauffeur, faut démarrer là, allez, allez. Vas-y, chauffeur là, bombarde. Allez, chauffeur. Je sais même pas où est-ce que je dois aller. Pas monter. Chauffeur, si t'es champion, tu vas appuyer sur champion. Non, c'est ce qu'il y a. Regarde les ponts. Ils ont des ponts au Japon, je suis choqué. Toi t'es con sa mère, genre ils ont des ponts en Japon, genre ouah dinguerie. Ouah ils ont de l'eau aussi, tu savais qu'ils avaient de l'eau gros. Non mais t'as vu les ponts comment ils sont mieux qu'en Amérique, ils sont mieux. Regarde la route comment elle est propre. Mais wesh. Ouais c'est trop stylé. Wow, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais je suis choqué, regarde les bidonvilles. John c'est là où tu vas terminer. T'es ma gauche. John c'est là où tu vas terminer John, regarde à gauche. Plus sa mère, incroyable. Ah ouais. Putain, dire qu'il y en a ils vivent dedans les pauvres. Eh ça c'est des cités au Japon ça. Ouais. Ah ouais? Ouais, tu connais bien comment le Japon, tu sais comment tu sais? Ouais, je suis déjà venu une fois et ça, c'est des cités, faut même pas traîner là-bas si t'as comment pas de. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle comment? Tu mens, t'es jamais allé au Japon. Ça s'appelle Shibuya. Ça s'appelle Shibuya ou ouais, Lubia? C'est Shibuya, c'est Arabie. Shibuya, Lubia. Mais Shibuya, c'est connu comme une zone touristique, ça peut pas être des cités. Non, Shibuya, Lubia, Lubia. Pour ah, Shibuya, Lubia. Ouais. Non, je crois que c'est Harajuku. Mais bombarde, sale chien, va! Eh, chauffeur, accélère, frère! Petit couillon, je peux pas aller plus vite, vous êtes bon! Ta gueule, c'est toi le couillon, bouffon, va! Ouais, c'est surveillant! Tu veux pas que je te fasse un truc? Monsieur surveillant, pardon! Vas-y, non, pardon, c'est John, pardon! Allez, accélère, monsieur! Je peux pas faire plus! Mais qu'est-ce que j'ai trop envie de conduire ici? Attends, mais il est lent le nôtre, c'est abusé, regarde eux comment ils accélèrent! On est trop dedans! Y'a pas des gens qui veulent se sacrifier, les gars? Ouais, sautez, les gars! Jeter quelqu'un, jeter Bobby du camion là. Eh, va te faire foutre toi, va te faire foutre. Bon, tu fais 1m90, c'est toi qui nous ralentis. Non, eh, Amine, laisse Bobby tranquille, c'est moi je dois lui baiser sa mère, pas toi. Non, oh c'est moi je dois lui baiser sa mère. Eh, Amine, je croyais on est tes potes. Eh, on va te battre pour lui baiser sa mère. Ok. Eh, y'en a aucun de vous deux qui va baiser ma mère. Si, on va tous le faire. Il est trop mignon Bobby quand il s'énerve. Les gars, regardez à gauche, il y a un cœur sur le toit du bâtiment. Ouais, vous pensez que c'est quoi là-bas? C'est le cœur des super nanas. C'est le bâtiment de l'amour. C'est moi, Jojo. Mais non, c'est une marque de glace, Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est Mikado, la marque. C'est Nico, là. C'est Vico. Non, Mico. Mais non, vas-y. Vico, c'est des chips. Ah, il est ouais, chips, je vais aller vérifier après.
Double, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Monte que t'as un pilote. Ouais, vas-y, mais là, il a détruit une voiture. Non, là, c'était le moment, là. Eh gros, si tu doubles pas, ta mère, c'est une pute. Oh wow. Ah, comment ça m'aurait pas plu, je l'aurais doublé tellement vite, là. J'essaye, je vous assure, j'essaye, les gamins. Vas-y. On n'est pas des gamins, par contre, on n'est pas des gamins, commence par nous respecter. Est-ce que tu veux que je te suce pour te booster un peu? Mais non, tu vas l'endormir, il y a des endormis. Non, vas-y, c'est ta chance, c'est ta chance. Ouais, maintenant. Non. Voilà. Mais pourquoi tu l'as pas doublé? Mais ouais, fallait passer à gauche. Parce que je m'attendais pas à ce qu'il pile, bande de couillons. Wesh, y'a un fleuve à gauche. Eh les gars, j'ai une théorie, le Japon c'est un peu claqué en ça. Il y a un fleuve à Créteil aussi. Comment ça, man? T'as vu, c'est stylé. Bah, y'a de l'eau chez nous ouais, aussi. Ouais, mais y a de l'eau. Là, on est au Japon, bah, c'est un bon, fleuve japonais. Mais quoi, l'eau, c'est pas la même, qu'est-ce que vous racontez? Mais non, juste la route, elle est belle, c'est vrai. Mais tu viens pour la culture, tu viens pas pour le paysage. Amine, genre, impose-toi un peu, impose ton style. Ouais, impose-toi, Amine. Waouh, regardez à droite, les enfants, c'est la tour Eiffel, t'as le Japon. Impose ton style. Eh, la putain de ta mère, parle plus fort. Crie, on t'entend pas, t'es tout au fond. Crie, on t'entend pas. Ah merde! Double-le! Vas-y, double-le! Mais qu'est-ce qu'il bouge? C'est contrôlé, ouais. C'est un péage, il peut pas passer. Wesh! Ah, oh, la gueule du. Ah ouais! Ah ouais, sacré péage! Sacré péage! Eh, les péages japonais, c'est high-tech sa mère! Ah ouais, c'est des téléporteurs! Ouais, c'est. Tu vois, papa! Et ils sont dans le futur, eux, hein! Wouah! Ouais! On est à Shibuya! Qui est déjà venu au Japon? Ouais! Moi, je suis venu une fois. Moi, je suis jamais venu! Les gars, je vais mourir! Là, on est au quartier de l'électronique à Akihabara, là! Akihabara? Mais c'était écrit sur le panneau. Mais je croyais qu'on était à Shibuya. Il a dit au pif. Non, je te jure, c'est vrai. Mais je croyais qu'on était à Shibuya. C'est trop stylé. Ouais, c'est ouais, le bus, il passe pas. Il passe pas les lanternes. Dépasse-le, fume. Vas-y, allez. Il est mort. Dépasse-le. Passe bien. Fais pas comme eux. Voilà. T'es le boss. Vas-y, double. Il s'arrête toutes les 2 secondes. Non, c'est un truc de fou. On en a un qui a sauté là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Jitsu! Ah, qui a sauté? Laisse-le, c'est son problème. Ah, il a sauté! Je vais le chercher. Vas-y, on s'en bat les couilles! Je vais le chercher. Oh là là, putain! Merci, Amit! Montez! Ah, merci, mon pote! Mets-le dedans! Attendez! Wow. Ouais, monsieur. La catastrophe. Non mais juste. Non mais montez. Monte, on est en retard. Dépêche-toi. Mais monte. Vas-y, monte. C'est bon. Ah, je vous retiens ce que disent les CLEC. Je vous retiens, bande de bâtards. Mais personne n'a dit ça. Mais qu'est-ce que tu as dit? Eh, je t'ai entendu, Brandon, enfoiré. On a pas besoin de toi. Quoi? Tais-toi, Bobby, on t'a rien demandé. Ok. Attends, tu vas te faire niquer bientôt, toi. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est bon, on est arrivé. Mais les gars, je comprends pas. Mais il se passe quoi là? Il y a des cadavres en cours ou la gauche. Il y a des cadavres. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un accident en face. Il y a quoi là? Il s'est passé quoi? Et pourquoi j'ai le poing serré comme un? Moi aussi, j'ai le poing serré, man. J'ai envie de mettre des patates. J'ai envie de mettre des patates là. Mais regarde, j'ai perdu. Ah ouais, j'ai. Oh la Regardez l'accident de fou. S'il vous plaît, silence. Les gars, perdons pas de temps, mettez-vous en rang, s'il vous plaît. Il est au tu soulèves. Les gars, dans les bus, oubliez pas. Écoutez en rang, tout le monde. Ok, parfait. Mais John, tu soulèves Yellow, t'as pas honte. Mais elle est tombée dans les pommes, Écoutez, on va commencer. On va commencer à faire. On va commencer à rentrer, d'accord? À l'école. À l'école? Oui. Il y a une école. C'est pas des vacances pour nous. C'était pas des vacances. Un échange étudiant. Je suis dégoûté. Je croyais qu'on allait visiter. Je restais une chose de liberté. Donc là, dans nos dortoirs, il y a des japonais. Oh non, pas Toche. Pardon, Bobby. Ah ouais, apparemment, moi. Eh, hey John, putain, tu te tiens bien. Allez, suivez-moi. Enchanté, Ganesh Dikaputash. Je suis le nouveau CPE. Ganesh Dikaputash. Wow. Il y a la meuf fort, de Dead or Alive. Parle plus fort. Chut. Taisez-vous, s'il vous plaît, derrière. On entend rien. Pardon. On n'entend pas. On n'entend rien. Dans un premier temps, vous allez vous familiariser avec l'école. Déposez vos affaires au dortoir. Les élèves. On va vous accompagner, vous faire visiter. C'est un Colombien. Ensuite, on verra les activités qu'on pourra vous proposer.
Bienvenue. Merci, merci Choco Greg, merci pour Baïkan et merci Dralia pour le moment. Vous rentrez en silence. Vous rentrez en silence tout le monde. Allez, venez. C'est la meuf dans le bar. Rentrez en silence, allez-y. Il y a le mec, t'as initial D. Allez-y, rentrez en silence, s'il vous plaît, les enfants. Allez-y, allez-y. En silence. Tu es le. Alligato. Et. Remerciez-les pour l'accueil aussi. Hein. Merci beaucoup pour l'accueil aussi. Merci. Alligato! Incroyable. Ouais, t'as ça, donc ça fait un moment. C'est trop stylé ici là. On va dormir dans un truc en bois. Moi je te regardais faire des drifts et tout. On se croirait dans une tendée en plus. Aziz, relève ta gadji là. Ok, t'as compris. Merde, il doit arriver quoi celle-là? C'est un bâtiment traditionnel. Vas-y, ça me paraît obscur là-bas. C'est tellement stylé. C'est incroyable. Mais c'est une auberge ou c'est une école ça? C'est trop beau! C'est incroyable! Faut déposer les affaires, hein. Vous pouvez déposer. Non mais il y a des parchemins, on est où là? Ouais, ouais, enfin dans la pièce d'avant quoi. Ah, dans la pièce d'avant, ok. Ouais, dans le débarras quoi. Écoutez les enfants, venez, venez tout le monde, on va se regrouper s'il vous plaît, tout le monde, venez! En haut! Venez, venez, vous avez déposé vos bagages s'il vous plaît. Allez, on y va! Mais non, mais attends, mais c'est où cette merde? Mais on va où là? Je sais pas! Mais c'est à l'intérieur. C'est où? Mais attends, mais je pète un câble. Mais c'est un truc de. Eh, on est à Fort Boyard, bande de bâtards! Incroyable. Mais non, mais c'est pas là! Mais si, t'es là, t'es là, t'es là! S'il vous plaît! Tout le monde! C'est Fort Boyard, c'est Amine! Oh, c'est bon, frère, faut se mettre pieds nus, c'est la tradition! Eh, il est à poil, Amine! Faut se mettre tout nu! Ça va au prochain mi! Mais Attends, oui, je suis désolé, monsieur voilà, le directeur. Bon. Les... Vous allez remercier le directeur ainsi que ses compagnons, de l'accueil. Merci, directeur. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Merci, directeur. On n'aurait pas pu rêver mieux. Ensuite, dans un premier temps, vous allez déposer vos bagages et ensuite je vais. Merci vous, donc vous allez vous diviser par groupe, mais vous inquiétez pas, vous aurez 30 minutes, à peu près une vingtaine de minutes de temps libre. D'accord? Et ensuite, vous allez attaquer vos missions respectives par groupe. Donc pour le groupe 1, vous avez Initium. Pour le groupe 1, vous avez Initium de cours de tuning de voiture. Oh, trop bien. Le groupe 2, vous avez cours de pêche. Ça, c'est pas ouf. C'est mon fun, là, d'un coup. C'est mon fun. C'est la pêche, wesh. Oh non, c'est mon fun. Voilà. Groupe 2, cours de pêche. Écoutez. Allez poser vos bagages et quartier libre. Comme je l'ai dit en arrivant, c'est un bâtiment traditionnel. Veuillez remettre un pantalon, jeune homme. Dépêche alors. Ok, je mets un pantalon. T'es en train de faire fumer là. Écoutez le directeur, s'il vous plaît. Silence. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Ce jeune homme sans pantalon, c'est de l'irrespect total. Allez. Mais c'est vraiment les pieds nus, c'est pour ça. Mais il a l'habitude, c'est un élève perturbateur, ami. Chut, vous répondez pas au directeur. Moi, je vous souhaite une très bonne visite dans votre établissement. Merci. Merci, ouais, merci, monsieur. Beaucoup, monsieur directeur. C'est pour ne dégrader pas les lieux. Non, on ne dégrade pas les lieux. Merci. Putain, mais enlève ces lunettes. Mais on doit aller où, là? Mais pourquoi? Mais c'est bon, vas-y, je suis pieds nus, là. Ça ne te va pas, les lunettes. Mais pourquoi ça ne va pas? Allez-y, visitez un peu l'endroit, allez-y. De quoi on en va? Si au Tokyo Drift Tuning, j'ai trop hâte. Ah, ouais, ça va être trop bien. Eh, venez. Eh, c'est pas une école, ça. C'est un commerce, wesh. Oh, regardez. Et ici, on peut observer des trucs de fou. Il y a peut-être des bails à fouiller. Hein. Ouais, man. Vous saviez qu'il y avait des bails à fouiller dans l'aéroport? Ah ouais? Ouais, fallait fouiller les valises. Il y avait du linge sale dedans. Mais peut-être ça peut servir. Ouais, mais peut-être ça peut servir, tu vois. C'est le prof qui a bizarrement, tu vois, qui m'a amené sur cette voie. Ça va ou quoi, man? Bah, ça va super, et toi? Ouais, ça va, carré. D'Ivoire, et ils sont où les dortoirs? Ouais, c'est tout le long ici. Ah d'accord, carré. Vas-y, merci. Eh, Ganesh. Ah, he wants to mean bête. Eh, Ganesh. Oh, c'est les dortoirs, ça. Ganesh. Quoi, Chin? Il y a un féro. Chin, ça veut dire bête. Chin, ça veut dire bête. Mais vous savez ce que ça veut dire bête? Chin. Ah ouais, ici, c'est les dortoirs, donc du coup, vous avez plusieurs chambres, hein, vous aurez... Ah, donc après, loup, c'est... Wow. Des c'est notre chambre, c'est... Non, c'est pas votre chambre, mais vous allez choisir whatever. Ouais, il y a un MacBook. Ah oui, la technologie. Il y a une musique. Oh, il y a le mignon.
Attends, mais c'est Nyan 4. Ouais. Mais je suis prof de sport. Professeur. Attends, mais... prof de sport, gros, c'est un baiser, hein. Genre, vraiment. Quoi? Il est en mode arrêt, il a déjà perdu. Ah non. Ah, c'est à regarder Endex. C'est grave. Ah non. Eh, hey, j'ai entendu Chin Chin, y'a un perro ou quoi? Bon, là, et bon! Salut, c'était tout. Attends. Ouais. Eh, hey, monsieur le professeur! Et ensuite en bas, tu mets gratter. Et vous tu, essayez de draguer la baveuse là? Gratter? Ouais, gratter, tu vas te gratter le cul. Tu m'as dit quoi? vous essayez de draguer la baveuse? C'est qui la baveuse? Bah, c'est elle! Bah, non, je je vais l'aider à se gratter le cul là. C'est vraiment... Oh, mais c'est quoi ça? Pourquoi vous faites ça? Oh putain, ça me gratte depuis tout à l'heure. Merci, professeur. <Voilà. rire> Elle est malade, quoi. Et après, tu bois qui sec? Sérieux, ça existe ça? Patoche, ah oui. Quand tu fais boire ça à quelqu'un et que toi tu le bois en même temps, bah du coup, les deux vous tombez amoureux. Et man, où est-ce que je peux trouver ça? On peut le fabriquer? Ça normalement, c'est au marché que tu peux trouver. Ah, au marché noir? Oui, pas spécialement. Juste au marché, mais c'est des gens. Et on va y aller au c'est marché? C'est des gens précis. Alors ça, j'en ai aucune idée. Si, on peut les. Kaito, on peut les emmener. Mais ça leur coûtera $50. Ok, ça marche. Je te paye $50. Attends, Kirby, Kirby, tombe pas dans les. Non, mais Kirby, tu tombes dans le panneau là. Quoi? Mais tu vas te faire avoir là! Oh, pour eux, t'es une putain d'étrangère, ils s'en battent les couilles de toi! Attends, mais comment ça? Ah, t'es chez nous et tu ne respectais pas? Mais si, je te respecte, tu me respectes, sinon clic clic, t'as vu? Pas. Mais tu ne respectes pas au Japon? Tu ne respectes pas au Japon? Mais si, je te respecte, mais en quoi je te respecte pas là? Eh, fais attention à toi! T'as dit que j'étais un étranger! Non, j'ai dit! Eh, j'ai dit pour vous, on est des enfants! T'inquiète, calmez-vous les gars! Voilà! J'ai dit pour vous! Eh, vas-y! J'ai 4 fois de karaté! Ouais, mais calme-toi, Street Fighter! Eh, j'ai dit pour vous, nous on est des étrangers, frère! C'est bon, calme-toi! Tranquille, tranquille! Voilà! Non, mais on a compris, maître Yoda! À mon ami! Calme-toi, attaché! Écoutez, moi je vais y aller à ce marché. Mais non, Kirby. Ça te coûtera $50. Eh bien, je vous paye $50 sans problème. Et comment tu les payes? Vas-y. J'ai ce qu'il faut. Quoi? Ouais, man. Bah donne-lui 100 alors. Paye pour moi. J'ai ce qu'il faut. Donne-lui 100, vas-y. Tiens. Et ça sent. Donner à Kaito. C'est Kaito qui gère mes finances. Kaito. Et ça sent la carotte. Venez, Kaito. Hein. Voilà. Et Kaito. Au marché et bien sûr. N'oublie pas temple. Tenez, je vous ai mis ça par. Excusez-moi. Eh, Kaito. Je me suis dit que c'était une forme de respect. Pas vous le donner en main. Eh, donne $100, toi, sale rave. Eh, oui. Voilà. Oh, Kirby. Elle a pas payé pour toi, mon pote. Et pour le katana. Ah, oui, pour lui aussi, je paye. Attendez, tenez. Mais où t'as eu cette thune, toi? Tenez. Mais voilà, monsieur. Où t'as eu ça, Kirby? On est ça. Okay. Voilà. C'est parti. Ok. Bon, par contre... J'aimerais y aller avec mon ami et j'aimerais aussi que vous nous emmenez au temple avec mon ami. Oui, normalement, le temple, je crois qu'on va tous... Si, le temple, je crois qu'on va tous y aller. On pourra avoir les katanas. Oui, normalement, vous pouvez le voir. Yo, Chenny, ça va quoi? C'est dans le bureau du boss, donc ça, normalement, t'as pas besoin. Mais pour le marché et ta potion, ça, faudra le faire à l'abri des regards. Bien sûr. Ah, du coup, je vous le dirai en tant que voulu. Ok. Très bien. T'as récupéré Kaito? Ouais, c'est nous. Suis-moi, Kaito, j'ai un truc à dire. Vas-y, c'est parfait. Vas-y, j'arrive. Ça, c'est quoi, vous, nous? Jordan. Kirby, et toi, t'appelles comment? Jordan, mon ref. Jordan, mon ref. C'est non, ça? Jordan Birkins. Jordan Birkins. Ok, ça marche. Moi, c'est Kaito. Voilà. Carré, Kaito. Mais enchanté, Kaito. Par vous, ben, c'est pareil. Vas-y, c'est carré. Allez, à plus tard. Eh, ça sent la carotte, ça. Man. Eh, c'est le guet-apens, ça. Écoute, man. Déjà, où t'as eu l'argent? Et toi aussi, t'en as, man. On nous en a donné. On pouvait acheter plein de trucs. Mais on m'a jamais donné d'argent, moi. Mais si, regarde bien dans tes poches. Et on m'a jamais donné d'argent. Regarde bien dans tes poches. Ok, vas-y, on m'a donné un peu d'argent, j'avoue. Tu vois, t'es un mytho, man. Ouais, mais il y a des gens, ils... T'as vu, Michonté?
Non mais vas-y calme-toi par contre. Mais eh, hey, hey, t'es mon petit michetot. Écoute-moi, eh ma petite profiterole. Eh bébé. Hey, ma petite profiterole au chocolat. Ah, t'as mis un string. Ouais. Hey, bah ouais. Ça sent la carotte, c'est ton truc. Dans tous les cas, on verra bien. Vas-y, sinon, ok. Tu sais quoi, vas-y, fouille partout. On ira péter la gueule à qui, Kaido? Mais il est déjà vieux, il a 70 ans ce bâtard. On s'en bat les. Mais non, c'est un jeune. Il fait vieux, mais je te jure, viens, on va. Mais non, d'habitude c'est le contraire, les Japonais ils sont vieux, mais ils font jeunes, t'as vu? Attends, mais j'avais vu. Ah bah non, je me suis trompé. Vas-y, viens. Vas-y. On va essayer de trouver. Dans les dortoirs, y'a rien. Où ça? Là, dortoir, y'a rien. Oublie. Vas-y, faut retourner à l'étage. Yo, ça va ou quoi? Bienvenue dans mon bureau, les élèves. Mais pourquoi vous essayez d'imiter un accent dans votre bureau? C'est vrai. Dites-moi, on est là jusqu'à combien de temps? Quand? Qui? Que? Comment? Quoi? On est là jusqu'à quand? Quelques jours. Ok, carré. Ok. Bah comme ça, juste Vous êtes bien accommodé avec les lieux? Bah ouais, ouais, bah c'est du bois, frère. Discute. Je parle des pièces. Waouh. C'est du bois. Ouais, mais c'est quoi ça? Ouais. Mais frérot, tu ramènes les travaux ici ou quoi? Oh, c'est vrai, c'est bizarre ça. Il y a un problème, Bruce Lee ou quoi? Eh, reviens, bâtard! Tu penses à moi, il va t'exploser ta tête! Ouais, il y a moyen. Ouais, il y a moyen. Ouais, carré comme moi ta tête, carré comme moi. Il y a plein de yakuza en fait. Yo! Kawaii! On va sortir à pas faire tout ça. Vous allez bien, monsieur? Oui, ça va très bien, et vous? Ouais, vous pouvez me dire. Japon, jeune homme. Bah, merci. Eh, vous pouvez m'apprendre un truc vite fait en japonais? Oui, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez savoir? Venez voir, j'aimerais bien savoir dire, je m'appelle Jordan. Migaratu Jordan. Migaratu? Migaratu Jordan. Faites un petit effort. Migaratu Jordan. Migaratu Jordan. Voilà, vous le dites très très bien, monsieur. Migaratu, vous êtes sûr? Oui, je suis sûr, quand même. Oui, c'est vrai, ouais, je sais pas à qui je parle. Je suis parfaitement japonais. Oui, hein. Oui, bien sûr. Et vas-y, et comment dit? Oh, j'ai faim, là. Ajirubada. Oh, tu sais ce qu'il m'a dit le professeur? Bah attends, parce que lui il dit aussi des trucs fous. Oui, Agirumada. Agirumada? Quand vous avez une très grosse faim, vous dites Agirumada. Agirumada. Quand okay, quoi? Quand vous avez une très grosse faim, vous dites Arigumada. Arigumada. Ok, carré. En tout cas, bienvenue au Japon. Ok. Si vous avez besoin, nous sommes ici. Ok, carré. Ouais, carré. Et du coup, j'ai une question à vous poser. C'est pas des blagues hein, pour le marché, on est d'accord hein. Pour le marché? Mais c'est pas la même personne, Kirby! Comment ça? Mais non, mais rien! Qu'est-ce qui se passe? Je cherche une potion! Eh, hey, excuse-moi! Eh, hey, mais hey, toi, mon ref. Une potion d'amour! Non, mais y'a un problème avec tes wads! Y'a un problème avec tes doigts, toi! Non, c'est à force de tenir les volants! Mais quoi? Attends, mais fais voir ta tronche, man! Hey. Excuse-moi, il faut que je regarde ça! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh, hey, mais comment ça, tu peux te gratter le yeb sans te baisser, frère? Bah ouais! Mais c'est quoi? C'est quoi cette sorcellerie là? Qu'est-ce qui s'est passé? À force de tenir la voile. Ah ouais, c'est beaucoup de courses. Il sort d'un manga, lui, c'est sûr. Ah ouais, je te jure, et il est sorti d'un autre. Il y a un putois ou quoi? Mais c'est quoi ce putain d'endroit? Mais oui, il y a un putois, man. C'est quoi, super sympa. Vas-y, il t'a dit quoi, le man? Il t'a dit quoi? Lequel? Mais tu voulais me dire le directeur, écoute, là. Écoute, là, j'en peux plus. Dis-moi ce que t'as envie de dire. J'ai envie de pisser sa mère. Tu captes? J'ai envie de pisser, là. J'ai envie de pisser dessus. Non, mais c'est quoi que le directeur t'a dit? Non, le professeur. Il m'a dit, vite, tu vois, je dis c'est quoi ça? Et il m'a dit, c'est un endroit sombre où personne pourra t'entendre crier. Quel professeur? L'autre là, le professeur qui fait des voix bizarres là. Quand on est allé en haut, tu as dit, ouais, c'est quoi cette voix de Shintok? J'ai jamais dit ça! T'es une baisée toi! Un truc genre, mais si! mais jamais je vais dire Shintok, ouais, c'est raciste! Non, mais vas-y, je me casse! Elle est folle, elle! Ouais, je sais, mais c'est quand même l'école d'un. Ouais, vas-y, dis plus, monsieur le professeur de sport! Servez-vous de l'alcool, putain, buvez des. Mais oui! Je n'en ai jamais bu! C'est mon professeur préféré! Patoche, c'est quoi la meilleure des alcools? Le whisky, ok, un whisky aussi! J'ai lu un Jack. Mais c'est enculé, ça capte. Et calme, qu'est-ce qui se passe là-haut? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un combat, on a organisé un combat. Arrêtez, mais pourquoi tu peux pas la taper? Pourquoi il peut pas la taper? Gros enculé, mais si c'est pas.
Il ose pas taper les filles. Non, c'est juste que je peux pas, je peux pas. Mais pourquoi tu peux pas? J'ai mal. J'ai mal pour Watt. Non. Oh le. Watt, tu l'as éclaté. Oh y'a oh y'a une insulte, y'a une. Bon bah venez, on le laisse tranquille. Mais non, Echo, calme-toi, amourette. Comment je le ramasse là, ce bâtard? Ramasse-moi pas, t'inquiète, j'arrive. Là, on peut pas là. Mais si, comment on le ramasse, Bobby? Pour attendre là. Comment? Allez, il nous attend dans la salle. D'ailleurs, t'es mort. T'es mort, Léo. Sale faible. Lève-toi, faible. Allez, les enfants, on y va, on accélère. Alors, le groupe 1. Vous mettez ça, maman, qui tourne. Vous vous mettez sur ma gauche. C'est qui le groupe 1? Vas-y, c'est ceux qu'ils ont dit tout à l'heure. Allez, on accélère. Groupe 1 sur la gauche. Et groupe 2, vous avez cours de pêche. Entendu? Ça, c'est nul, ça. Allez, c'est parti. Vous restez sage avec les personnes, d'accord? Allez, on y va. Allez-y, hein, c'est parti. Allez, on y va. C'est parti pour le tuning, mon pote. Ah, mais attends, faut attendre le prof, là. Ah, ok. Vous allez à la pêche. Lui, il est sorti de la PlayStation, ce bâtard. Il est sorti de la PS1. Ah, la pêche au moule. Pourquoi pire groupe? C'est bio, faudra l'emmener avec la limousine. Mais si, mais t'es mal, gros, il y a Paul de Tekken, il y a l'autre frère, c'est un mec qui sort du clown, mec qui sort du cirque, on sait pas ce qui se passe ici. Mon sang, c'est pas ce qui se passe ici. Ah, heureusement que je suis là. Heureusement que t'es là, Yellow, de ouf. Faites la paire, les deux. T'as un baiser, toi, tu sais tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui peut te lancer? Qu'est-ce qui raconte le skin Fortnite? Sinon, on doit dire que t'es bizarre. T'as un gros temps, ça. T'as un, toi. On va se mêler, hein. C'est vrai qu'on s'emmerde dans ce groupe. Y'a pas tes petits copains là. On va faire du tuning. Vous allez s'auto-essayer. Alors, ma petite tigresse, t'as perdu ta langue. Ouais. Par contre, monsieur le professeur, on a deux personnes qui voulaient absolument pas être dans notre groupe. Du coup, ils ont bougé dans notre groupe. Ouais. On les a dégagés. Vous voulez pas venir, c'est bien. Mais ça marche pas comme ça, la vie. Bah, c'est eux qui sont partis. C'est eux qui sont partis. Ils disent qu'on a un truc de merde, je sais pas quoi. Ok, bon, on va les tuer. C'est John et Brandon. C'est bâtard. Ramenez les Yakuza, c'est principal. Non, vous changez pas avec quelqu'un, putain, ça fait 4 jours on organise ça. Donc oh, depuis quand il s'énerve comme ça, lui? Wow, je suis choqué de fou. Bah là, pour vous dire, s'il s'énerve, c'est vraiment là. Oh, le prof d'histoire qui vient de sortir une dinguerie. Vous imaginez là, tout ça, ça prend beaucoup d'organisation et de temps. Hein, donc bah oui, je sais. Quand on est dans votre groupe. Mais c'est toujours les mêmes, hein. On va tuner vos vélos. Non, je suis pas sur votre groupe, c'est que vous faites chier tout le monde là. Donc vous entendez dans votre groupe, y'a pas d'échange. Allez, John, viens sur ces babés, viens! Ah oui, y'a nice. Vas-y, attends, je vais leur dire à ces bâtards. Ah, vas-y, ils abusent! Eh, vas-y, venez, bande de bâtards, respectez là! Eh, je vais t'enculer, vraiment! C'est pas croyable! Vas-y, oh, Brandon! Oh, Brandon, arrête tes conneries, respecte, wesh, j'ai commencé à s'énerver là! Ah merde! Mais non, vas-y! Putain! C'est bon, on est là. Écoutez, ceux qui changent de groupe sera viré pendant quelques jours de l'école, d'accord? La grammaire, c'est pas ça, hein. J'apprends le français il y a pas longtemps. J'apprends le français, écoutez. Ah non, mais tu parlais bien, Ganesh. S'il vous plaît, respectez vos groupes perso, d'accord? Respectifs, là. C'est compris, c'est compris. Bon, ça va faire tout dit que moi. Je suis dégoûté. S'il vous plaît, respectez-les. Merci. Allez-y. Ça va qu'on fait le tuning, bon. Il y a un fils de pute qui n'arrive pas à lire deux mots. J'apprends le français. J'ai pas de chance dans ma vie. Mais j'ai une question, c'est quoi le problème avec le groupe? Non, mais c'est pas toi le problème. C'est qui le problème? Ah, c'est quel le problème? Vas-y, parle, vas-y. Ouais, on va le régler. Vas-y. Bon, le groupe 2, le groupe 2. Avec le groupe 1, monsieur McCarthy. Ah, le groupe 1, non. Mais c'est pas le groupe 1 ici. Oui, c'est là. Y'a rien, finalement, ouais. J'adore le groupe, j'aime bien, merci. Ah, ça fait plaisir. Content d'être avec vous. Putain, trop heureux, trop heureux. Ça t'arrache la bouche, hein, putain. Allez, on te suit. Bon, on y va. C'est qui? Bah, les japonais, là, les deux japonais, non? Bah, non, c'est des élèves, abruti. On attend le pas. Bah, et alors, ça peut être. Ils peuvent connaître leur cours, abruti. Je croyais que c'était des élèves. Je sais pas, t'es un abruti. Non, on est des élèves, on attend notre les refs, calmez-vous. Mais soyez respectueux, déjà on est pas chez nous. Quoi, ta gueule. Les gars, calmez-vous. Un abruti. Vas-y, respectez-vous la bande de bâtards là. Trop jeune. T'es un âne et un abruti. Vas-y, Brandon, viens, t'arrêtes deux minutes là. Mais c'est bon, rigole. Ça change quoi? On dirait que le chemin il va s'élever devant nous si je me tais. Eh oui, on passe le temps. Les gars, genre, vous donnerez pas tout pour avoir un Nanchis. Il a dit quoi? Mais tu veux quoi? J'ai pas compris. Mais vous avez déjà goûté les cheese nan ou pas? C'est quoi? Non, c'est quoi, man?
Quoi les tiges nanes? Ah non mais je suis baisé, baisse sa mère. Ah non mais je suis fatigué. Ah ouais. Quoi les tiges nanes? C'est quoi les tiges nanes? Franchement là mon gars. Tiges nanes. Je peux pas être avec toi. C'est Ganesh. Oh non, c'est un baiser. Je crois que c'est un homme. Ah non non non. Ouais, c'est pas ici. Venez, on va aller, venez. Venez avec moi, on va aller, on va sortir. Allez. On va aussi là? Oui. It's on the regular, I told that money talk, it's on my cellular. Pull up in that all black SUV like Santa does. My chains be shining, I can't hide them, I can't get them.